Le kenjutsu, c'est l'art du sabre japonais. Alors sa pratique reste finalement assez mystérieuse. Au Japon, ce sont des cercles fermés, très codifiés, qui perpétuent la tradition. Arnaud Waltz a appris ses techniques au sein de l'école Kashima, 6e dan d'Aïkido. Il utilise un ancien modèle de sabre d'entraînement. Et à chaque fois que, en tout cas moi, j'ai rencontré des pratiquants qui, en France, sont pas très nombreux, hein, faut bien le dire, on en sort assez bouleversé, parce que c'est vraiment, encore une fois, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de secrets, beaucoup d'une tradition qui nous est finalement assez éloignée. Et ces gens-là vont au Japon et restent parfois pendant des semaines enfermés dans un dojo. Des années, oui. Non, mais parfois ils ne quittent pas le dojo. Nourrissent de thé vert et d'enseignement du sabre. Ça vous ferait beaucoup de mal, je pense, le thé vert. Oui. Non, ça, c'est pas un truc pour moi, c'est sûr, mais eux, en tout cas. Mais c'est l'esprit au Japon, on trouve encore, non seulement dans les disciplines traditionnelles, mais y compris dans les disciplines plus connues, olympiques, comme le judo. Un esprit traditionnel, on peut aller aussi au Japon faire du judo et rester au Shideshi par exemple, c'est-à-dire en disciple, dormir chez un sensei, chez un professeur, passer sa vie, en tout cas des semaines et des mois et des années, dans le dojo, c'est possible. Alors, Arnaud Waltz, effectivement, c'est un chercheur qui est 6e dan d'aïkido et qui a décidé de travailler le kenjutsu effectivement avec ses formes traditionnelles de sabre, puisqu'on est plutôt habitué au shinai du kendo qu'on a beaucoup vu avec la très belle armure des kendoka qui a inspiré Spielberg pour la guerre des étoiles, pour le méchant Dark Vador. Exactement. Et là donc c'est une forme de, hop là, contrôle. Et qu'on utilise également les techniques de l'aïkido. Voilà, c'est des boken, ce sont des boken comme ça ici, c'est-à-dire l'arme en bois qui peut tuer. Il suffit de taper sur la tête un peu fort et ça fait très mal. Et une version plus protégée, on voit dans les mains d'Arnaud Waltz. Arnaud Waltz qui a une préoccupation d'efficacité dans son art, on le voit d'ailleurs. Et là, faut pas, y compris pour la démonstration, pour pas se rater, parce que comme vous dites, ce sont effectivement des sabres qui coupent, mais ça peut faire extrêmement mal, blesser sérieusement, et vous voyez que là tout se passe bien, parce que ce sont des heures et des heures et des heures et des heures de boulot, et une maîtrise de soi et de sa discipline très très impressionnante. Kenjutsu qui veut donc dire technique de sabre, hein, c'est l'esprit traditionnel du kendo qui est la voix du sabre. Un peu sur l'imitation du judo.